Avec nous euh, ce soir au bilan, euh, je vous présente Mme Rachel Lapierre, qui est présidente d'un organisme qui s'appelle le Book Humanitaire. Mme Lapierre, bonsoir. Merci oui. d'être là. Je suis vraiment bonsoir. honoré, mais merci, oh, de, merci. Euh, de nous faire grâce de, de votre visite parce que c'est pas rien. Là. Vous avez, au fond, décidé de consacrer euh, votre vie, une bonne partie de votre vie, à, aux gens qui, qui en ont besoin. Le Book Humanitaire, qu'est-ce Qu que c'est exactement? C'est quoi? Bien, en fait, il faut savoir que ça fait plus de 30 ans que je fais des voyages humanitaires à travers le monde. Ça, c'est ma première passion. Et depuis dix ans, je suis surtout à Calcutta, en Inde, dans les rues de Calcutta, où je fais du travail de rue, mais je fais aussi de l'aide dans les écoles, dans les dispensaires. Et euh, je vais aussi au Sénégal pour les petits garçons de la rue. Mais il y a dix ans, il y a quelqu'un qui m'a dit Tu sais, Rachel, ici aussi, il y a de la misère. Fait que j'ai dit c'est vrai, on la voit moins, mais les gens, les gens ont besoin. Mm -hmm. Donc, j'ai décidé d'aller dans le parc en face de la cathédrale à Saint-Jérôme et commencer à donner de la soupe, des bottes des manteaux. Rien de compliqué. Parce qu'une bonne action, là, c'est pas compliqué. Et là, les gens ont commencé à dire, ben moi aussi, j'aimerais ça, j'aimerais ça m'impliquer. Puis je voyais que les gens étaient très généreux. Puis bon, j'ai rempli mon garage, le garage de mon copain. Puis à un moment donné, mon copain, il a dit, tu sais, un garage, c'est important. Donc, j'ai loué un endroit à Saint-Jérôme pourquoi Saint-Jérôme? Parce qu'il bon, y a une prison, un palais de justice, trois centres de transition, une grosse clinique de santé mentale. Ouais. Euh, bref, je me suis dit, je vais faire ça à Saint-Jérôme. Et j'ai créé le documentaire qui répond aux situations d'urgence non comblées par les organismes en place. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Euh, premièrement, ça veut dire que c'est un mouvement qui est 100% bénévole. Il n'y a aucun salarié au bookmap. Okay. Ni vous, ni personne. Non, personne. Et euh, on n'a pas de subvention non plus. Et le, répon... le, le, le but, c'est de répondre aux situations d'urgence. Bon, quelqu'un qui a faim, quelqu'un qui vient de perdre son emploi, qui vient de savoir qu'il a un cancer, concrètement, on nourrit plus de 500 personnes par jour gratuitement. 500 personnes par okay. jour. Pardon. À Saint-Jérôme. À Saint-Jérôme. Saint et comment on fait ça? Bien, on a, on a euh, quatre frigos communautaires. On a un à Saint-Jérôme, on a un à Saint-Adèle, Saint puis on a deux dans des écoles primaires. Parce que les enfants à l'école, ils n'ont pas de lunch, ils ont mm -hmm. faim. Et le jeudi, on livre entre 450 et 550 repas des personnes en haut de 70 ans qui ne mangent pas à leur faim, référées par le CLSC fin de vie, handicapé, cancer. Fait que chaque jeudi, on a des gens qui vont leur livrer des petits plats qu'ils ont juste à mettre au micro-ondes. Et qui fabriquent, je présume, qui, qui, qui les cuisinent, comment, comment ça fonctionne? Ils sont ça? prêts. Nous, on les prêts. a toutes, oui. Mais vous les préparez, là? Bien, là. en fait, ce qu'on fait, là, c'est qu'on a tous les surplus. Tu sais, les gens, les, 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 les compagnies, les institutions, les ouais, restaurants, ouais. Euh, les marchés d'alimentation, les agriculteurs, Ils disent, Rachel, j'ai ça, moi. Fait qu'ils viennent nous porter ça ou on va le chercher. En fait et nous on portionne puis des fois on rajoute une patate ou du riz qu'est-ce qui manque et on redonne ça, Vous aux gens. ça. on redonne ah, ouais. ça fait que c'est pas c est, c est, c est assez simple comme, comme concept puis nous bien on euh, avec ça bien, on nourrit les gens qui ont faim on ne pose pas de questions ça peut être quelqu'un qui a perdu son travail mais c'est de plus en plus je vois des personnes âgées qui vivent dans leur voiture au Walmart à saint jérôme à saint -Jérôme. qui ont travaillé ah, toute ouais. leur vie ouais. fait que nous ben on, on nourrit tous ces gens là et on fait des aides alimentaires. Quand je suis partie cet après-midi, j'étais rendue à 25 aides alimentaires d'urgence. Ça, ça veut dire, là, que tu cognes à la porte, tu te dis, là, j'ai plus rien dans le frigo. Tu sais, les prix ont beaucoup monté, les loyers ont monté, fait que les gens, ils payent leur loyer, payent leur compte, puis là, il reste pratiquement plus rien pour la nourriture. Fait que les gens arrivent à la porte, on les, on les dépanne. Fait que ça, c'est au niveau alimentaire. T Toujours, euh, donc, je le rappelle, sans, sans subvention, euh, vous non. faites ça avec le, euh, votre force... Euh, euh, de caractère et puis l'action de... vous avez des gens avec vous évidemment qui, qui, qui vous êtes euh, Rachel vous, vous avez toute une histoire là. à un moment donné dans votre vie bon vous vous êtes impliquant en Amérique Latine vous allez à Calcutta tout ça là on me raconte à un certain moment vous achetez un billet de loterie vous gagnez hein oui, avez... oui. qu'est-ce que vous avez gagné et en fait euh, moi j'avais déjà une pension et j'étais infirmière puis là à un moment donné euh, je faisais le documentaire mais là j'en avais là tu sais ma cour était pleine puis il y a quelque chose qui m'a dit, achète un billet. Bon, je faisais mon épicerie, j'ai quatre enfants, et j'ai dit, un billet, Bon, j'ai acheté un billet, je l'ai gratté en fin de journée, mais j'ai fait un pack avec la vie. J'ai dit, si jamais je gagne, bien, je ferai le bouc jusqu'à la fin de mes jours. C'est ça le pack que j'ai fait. Puis j'ai gagné, gagné en vie j'ai arrêté d'être infirmière à l'hôpital. Mais par contre, si je suis infirmière euh, au bureau, euh, au bouc, à temps plein... A... Aujourd'hui, on avait un VR médical, 33 pieds. On a acheté un VR qu'on a transformé en clinique médicale. C'est des médecins bénévoles qui viennent. On soigne les sans-papiers, les sans-abri, les femmes violentées, les Premières Nations. Puis on, on oublie souvent, mais on fait venir beaucoup de travailleurs étrangers. Okay? Saint-Jérôme est un pôle d'immigration. Mm -hmm. Puis là, il, il, la, 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 la compagnie euh, les met en arrêt. Parce qu'il n'y a plus de travail, ces gens-là n'ont pas de revenus. Donc, ils viennent pour un petit plat. Puis, souvent, je... il arrive des gens au documentaire. Puis, l'autre jour, c'est une dame avec un, un petit enfant de trois ans, très malade, je n'ai pas de papier. Qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas aller à l'urgence, là. Fait que nous, bien, on, on répond à ces, à ces critères-là. Là. Puis comment on fait pour arriver à faire ça? C'est sûr que, bon, j'ai gagné, mais... Euh... Mais votre argent va là, pas beaucoup? Bien, un peu? Bien, en je passée. vis aussi, là. OK? Ben, ouais. C'est ça, j'ai des dettes, j'ai des comptes, ces choses-là à payer. Mais bref, euh, la chance qu'on a, c'est euh, nos donateurs, parce que nous, on n'a pas de subvention. Fait qu'on a des donateurs. Puis mmh. on a créé une branche qui s'appelle Qui Change le Monde? Fait que Qui Change le Monde fait des activités. Comme là, la prochaine, c'est un rallye, le rallye qui change le monde, propulsé par Mazda Saint-Jérôme. Fait que c'est un, un rallye humanitaire, puis pour amasser des fonds. Et ce qui est le fun, c'est qu'il y a des compagnies qui disent Moi, je prends un auto parce qu'on fait ce qu'on appelle du team building. Là. Il y a des mm -hmm. compagnies comme dernièrement, c'est Airbus qui est venu euh, il y a euh, Bell Hélicoptère qui sont venus Ils viennent une demi-journée au bouc Et là, je leur dis Bon, mais là, vous allez faire des sandwiches ». Puis à chaque <laughs> cinq minutes, il y a quelqu'un qui cogne à la porte et qui dit Ça va pas bien. Fait que c'est de voir la réalité parce que les gens, t'as pas idée. On n'a pas idée de ce qui se passe sur le terrain. C'est pour ça que, des fois, je me dis, j'aimerais ça que les gens, les dirigeants, euh, ceux qui octroient des subventions ou ceux qui prennent des décisions, viennent passer une journée, une nuit sur le terrain. Parce que, vous savez, à Saint-Jérôme, il y a, euh, quand on a, fait, on a recensé il y a quelques mois, il y avait 107 personnes qui n'avaient pas de lit. Donc, à, ce... à Saint-Jérôme. Sans domicile fixe. Là. Sans domicile 107. fixe. 107. Oui, 107. Qui vivent. En dessous d'une boîte de carton, dans ouais. le bois, euh, derrière la bibliothèque. Fait que nous, on connaît ces 107 personnes-là. Et là, je vais vous dire que depuis deux-trois semaines, ça augmente, ça augmente. Il y a toujours des non, gens ouais. qui arrivent. De où tu viens, hein? ah ouais. Oui, parce que qu'il manque de service pour le basseuil. Tu sais, les gens qui... Okay. Ils ont de la difficulté, problème de santé mentale, j'ai perdu mon emploi, j'arrive de l'étranger. Il, il y a tellement de situations. Et là, je vois de plus en plus de petites familles. J'ai une petite famille qui vit dans leur caravane, tu sais. Ils ont une petite minivan, tout rouillé, puis ils vivent là. Fait que quelque part, je pense que c'est rendu un problème de société en ce moment. Mme Pierre, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. parce que vraiment, non, je, je, je veux dire, votre histoire. Vous êtes quelqu'un de très, très inspirant. Puis euh, les, les temps sont durs pour bien des gens. On ne le constate pas tout le temps nécessairement, mais bon, même si le chômage est bon, il y a de la misère qui s'étend. Ouais. Euh, merci beaucoup euh, d'abord pour ce que vous faites. Continuez à prendre soin des autres. Merci. Prenez soin de vous aussi. Merci. Mais on est une belle équipe. Merci, merci. à vous. Merci d'avoir été avec nous. Merci.